Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT des produits de bourse avec Trading Central. Dans l'actualité du jour, EDF, dans le cadre du déplacement du président Macron en Inde, le groupe a signé un accord industriel avec l'électricien national Nuclear Power Corp of India pour la mise en œuvre de 6 réacteurs nucléaires EPR à Jaitapur. Les analystes de l'OPSA sont aussi et visent des cibles à 12,10€ et 12,80€. Toujours dans l'actualité, Sanofi et Regeneron ont annoncé de nouveaux plans afin de permettre aux patients présentant d'importants problèmes cardiovasculaires d'avoir accès plus rapidement et de façon abordable au traitement Praluent. Les deux groupes ont décidé de proposer ce médicament à un prix nettement réduit aux organismes payeurs américains. Les analystes de l'OPSA sont baissiers et visent des cibles à 62,50€ et 59,45€. Du côté de la stratégie du jour, maintenant, nous nous intéressons à Deutsche Bank. Le titre teste sa moyenne mobile à 20 jours après avoir rebondi techniquement sur une oblique baissière de moyen terme en place depuis le mois d'avril 2017. Du côté des indicateurs techniques, le RSI a dépassé une ligne de tendance baissière installée depuis le mois de novembre dernier et évolue aux environs de sa zone de neutralité des 50%. Ainsi, un prolongement du rebond est attendu avec en ligne de mire les cibles situées à 13,75€ et 14,10€. Afin d'appliquer cette stratégie, on pourra se porter à l'achat sur le warrant call 0279T émis par UniCredit de prix d'exercice à 14€ et de maturité au 13 juin 2018. Pour finir aujourd'hui, coup de projecteur sur l'indice DAX 30. L'indice allemand s'affranchit d'une oblique baissière en place depuis la fin du mois de janvier 2018. Par ailleurs, la formation le 5 mars dernier d'une figure de retournement de tendance haussière dite en avalement plaide en faveur d'un prolongement de cette phase de hausse. Ainsi, tant que les 11 831 points ne sont pas enfoncés, une poursuite du rebond technique est attendue vers les cibles situées à 12 507 et 12 714 points. À cet effet, on pourra se porter à l'achat sur le warrant call 7094T émis par UniCredit de prix d'exercice à 12 500 points et de maturité au 15 juin 2018. À la Bourse de New York, c'était Alexandra Déglise pour Trading Central. Passez une excellente fin de journée et à demain. Thank you.